La prépa des deux, du coup, à jouer très camier, on peut le faire. Personnes qui sont férues d'économie, qui aiment beaucoup l'économie, qui aiment aussi les mathématiques, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui va vous plaire. On découvre mentalement, intellectuellement, on voit nos capacités, on essaie de travailler nos faiblesses. Je suis un élève qui avait maths et HLP avec maths experte en terminale. C'est pas quelque chose qui m'a gêné de pas avoir de SES. En fait, on est introduit aux notions économiques très rapidement dans l'année. On prend plaisir à découvrir une nouvelle matière, abordée sous un point de vue beaucoup plus scientifique, donc ça a plus rien à voir avec l'étude vraiment globale. J'étais en maths complémentaire au lycée. Toutefois, je peux vous dire que même si j'étais en maths complémentaire, pour moi, l'expérience en maths se passe relativement bien. Des fois, il peut y avoir des loupés et la prépa est là pour ça. Je viens de maths complémentaire, pas impossible non plus. Je trouve que c'est un rythme nouveau, mais c'est un rythme qui va s'installer progressivement, plus intensif que le lycée. C'est pas une grosse charge sur l'emploi du temps, un angle de vue différent par rapport à ce qu'on fait à la prépa, et c'est en ça que la prépa va être complémentaire de la fac. On peut avoir l'impression que c'est relativement facile comparé à ce qu'on fait en prépa qu'on a déjà vu. La compétition, c'est une des grandes idées reçues quand on arrive en prépa. Ils sont tous gentils, il n'y a pas de guerre entre nous. On est vraiment dans l'entraide, on va aller travailler ensemble, que ce soit à la BU ou en 306. Interrogation en continu. Toutes les semaines, on est évalué sur toutes les matières, que ce soit en langue, en économie, en culture générale, en maths, etc. Et c'est vrai que le fait qu'on soit évalué constamment, ça nous oblige à avoir un cadre de travail et de le respecter. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Bon, la première colle, ça va se passer, on nous jette un petit peu dans le grand bain. C'est quelque chose qui va devenir assez naturel de prendre la parole devant quelqu'un qu'on connaît pas. Faire des calls, de faire des DST toutes les semaines, forcément ça nous met déjà dans le bain et nous prépare psychologiquement à mieux réussir nos examens. Vraiment derrière vous pour vous aider à trouver vos marques, à comprendre les sujets. Vraiment dans un accompagnement pour chaque élève. Initiative vous-même et travaillez de vous-même, parce qu'on va pas forcément vous dire d'apprendre les cours ou de faire certains exercices que vous devez faire. Il faut pas négliger les langues qui sont quand même une bonne partie de notre emploi du temps, sachant qu'on a des cols. Aussi que la fac soit dispensée en anglais, une partie en anglais, c'est vraiment un réel atout parce que on a le vocabulaire de macroéconomie en anglais. Il faut garder quand même une vie sociale, une vie à côté. Faites des activités et faut pas faire que travailler non plus. Pour l'année prochaine, alors moi mes vœux, forcément comme la plupart des gens, l'ENS. J'aimerais également l'ENS et l'ENS Lyon, mais aussi L3 appliqué de Dauphine. Je veux l'ENS de Paris et l'ENS de Lyon, PSE et TSE. La première année est très importante parce que c'est là où on apprend toutes les bases, donc elle est très intensive, mais un peu plus longue que la deuxième année où on va plus approfondir et apprendre plus de choses en quantité. Alors la première année, il y a forcément des passages un peu à vide au début parce que on connaît pas grand monde, sauf qu'après on se fait très vite des relations et on peut compter dessus pour s'entraider. La première année c'est dur, c'est vraiment dur. Pas uniquement en termes de niveau scolaire, mais c'est surtout dur parce que le rythme de travail, l'école en permanence, et bah, en vrai ça vaut le coup. Mais c'est un investissement de ouf. En Parcoursup, je pensais même pas du tout aller en prépa. J'avais peur que ce soit pas pour moi, trop de travail, ou alors d'être avec des gens super intelligents et tout. C'est un travail de longue durée et à la fin, on est juste hyper fiers de nous. On voit le parc, les progrès qu'on a fait. À la fin, vous avez une satisfaction énorme. En plus, je pensais pas du tout aller en prépa économie, sachant que j'avais fait SP, physique et maths, donc je savais pas du tout si ça allait me plaire.
Et au début du premier semestre, j'avais pas de bons résultats. Je doutais beaucoup, mais je me suis accrochée. Et au final, j'ai fait une remontée. Et je suis très fière de moi et de tout ce que j'ai appris. Surtout dans cette prépa, on apprend beaucoup de choses. On étend sa culture et on a des profs qui nous accompagnent. Bonjour, du coup, je suis Mathéo. Je suis colleur au lycée Juliette et Camille en classe prépa D1 et D2. Et je suis un étudiant de la prépa. J'ai fait D2 entre 2017 et 2019 après un bac ES. Donc, je suis ravi de pouvoir vous adresser la parole aujourd'hui pour, je pense, vous rassurer, pour vous dire que non, la prépa, c'est pas seulement un endroit où on travaille tout le temps, qui est affreux et on a que des mauvaises notes. Alors oui, c'est vrai, on travaille beaucoup. Oui, les notes ne sont pas toujours très très proches de 20 sur 20. Mais ce qui compte, je pense, c'est qu'on progresse énormément en prépa, que ça ouvre des débouchés qui sont vraiment super, et surtout, je pense que personne n'est déçu après une classe prépa. Je pense que tout le monde vit une super aventure humaine avec le recul, que tout le monde trouve un débouché qui lui plaît énormément, et c'est ça qui compte. Moi, après mes 2 ans de classe prépa, où j'ai commencé quand même avec un petit niveau en mathématiques, ça a été assez compliqué parce que venant d'un bac ES, j'avais peut-être pas le même niveau que toutes les personnes qui ont fait terminale scientifique. J'ai eu des mauvaises notes, il y a eu quelques moments un peu difficiles en col de maths et de microéconomie. Mais voilà, avec le travail, avec l'entraide énorme qu'il y a en classe préparatoire, avec des super amis que je me suis fait à ce moment-là, avec l'équipe enseignante qui est super à récamier, j'ai réussi voilà à récupérer mon retard, à me remettre dans le travail, à trouver un rythme, à trouver des moments pour dormir. Et à la fin, j'ai réalisé, mes objectifs, c'était de rentrer à l'école normale supérieure à Lyon, où je suis donc rentré en 2019, j'y ai fait ma licence, j'y ai fait mon master, et aujourd'hui je suis prédoctorant en économie pendant ma 4e année de ENS, où je travaille en ce moment, j'assiste un certain nombre de chercheurs en Suisse, en France et en Angleterre sur des projets en économie du développement, et on essaye de voir quels sont les impacts du développement des infrastructures et notamment des infrastructures de transport sur l'émergence de conflits politiques, ethniques en Afrique subsaharienne. L'année prochaine, si tout se passe bien, je commencerai ma thèse de doctorat au département d'économie de l'Institut Polytechnique de Paris. Et pendant ma thèse, je vais m'intéresser à tous les déterminants qui existent lorsque les agents, que ce soit des ménages, des travailleurs, des firmes, font des choix de localisation dans l'espace. Donc je n'aurai plus la chance d'être colleur au lycée Juliette et Camille en économie comme je suis pendant 2 ans parce que je quitte Lyon. Mais en tout cas, je vous souhaite de rentrer dans cette prépa et de manière générale, je vous souhaite tout le meilleur pour votre bac et puis pour vos admissions post-bac.